Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsuji Niro et bienvenue, chers amis, bienvenue dans La Fracture du cul, bienvenue dans South Park, votre 14e épisode, si je ne me trompe pas. Et non, mais tape pas le poisson, je voulais pas taper le poisson, regardez-le. Oh là là, il est heureux dans son bocal. Bref, South Park en 4K, chers amis, en 4K, comme ça vous voyez tous les petits détails de la console, là, ici, présent. Vous voyez tous les détails de du merdique que j'ai dans le placard. Et donc, c'est bien, c'est l'avenir, c'est tout ça. J'attends d'avoir un beau jeu, vraiment un très très beau jeu pour le mettre en 4K. Peut-être même, j'ai un SLI, j'ai des choses diaboliques en tête, chers amis, pour améliorer encore plus la qualité de mes vidéos. Tout ça. Donc, je rappelle, South Park, la dernière. Dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait aidé la maman de Cartman à distribuer ses cartes de visite pour qu'elle coache les messieurs sexuellement. On a arrêté un pauvre monsieur parce qu'il était noir, parce qu'on est rentré dans la police. On a donné de la drogue à une prostituée noire, oui, et puis Casey, qui a une petite bite tatouée sur son avant-bras. Et puis là maintenant il faut qu'on aille dormir parce qu'on a fait une bonne journée quand même, hein. On a eu une bonne journée et on doit aller aider Boîte à outils apparemment, puisqu'il nous doit un service. Donc je me couche. Écoute mon cœur, je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais ta mère et moi nous sommes très fiers d'être chinois. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je suis devenu chinois parce qu'on m'a demandé quelle race j'étais et quelle ethnie La nuit tombe sur la ville comme une grosse bouse. Je suis chinois. La puanteur de l'avidité, de la corruption et du crime remonte des égouts et envahit les rues. Il n'y a qu'un remède contre les grosses bouses, le coon et sa bande. Hashtag pote de la liberté enculé. Pote de la liberté enculé. Hashtag profitez bien du 4K. Ok, faufile toi hors de chez toi, trouve la clé en or, la clé en cuivre, la clé en... Et puis transformation. Non, ça, toujours pas, encore. Mais mais tu... Ah. Et mais j'ai le tournis rien qu'à te regarder, j'ai envie de dégueuler. Je suis un petit peu... Non, j'ai rien dans le... J'ai un dans mon machin. Alors, c'est la nuit, je suis le chevalier noir. Sans déconner, c'est classe ou pas? Sans déconner, je suis mignonne ou pas? Mon petit haut est trop mignon. Par contre, qu'est-ce qu'on a en costume? Parce que je me souviens plus... Je me souviens plus ce qu'on a en costume. Non, ça c'est le... L'Assassin's Creed. J'ai gardé la cicatrice. Là, ça fait vraiment Nightwing... PD. Là, ça fait Nightwing, mais un peu version gay quand même. Cela dit, bon, alors si j'avais pas vu les épisodes de Batman où Nightwing avait une petite amie et où, comment elle s'appelle déjà, Harley Quinn, lui sauter dessus, oh là là, pour lui faire des choses, je dirais que Nightwing était Robin, hein, était, mais pas du tout. Elle est pas mal cette tenue, dis donc, elle rend bien avec ma capuche. Non, là, ça fait franchement biatch, hein. Oh là, c'est, non, là, c'est too much. Elle est pas mal cette tenue, regarde-moi ça. Qu'est-ce que... Ah, on peut changer la couleur. Bah noir, c'est très... Ah, un noir plus noir encore. Ah oui, ça fait raccord, là. Et un gris plus... Je vais laisser le gris comme il est. Parce que c'est... Ah, c'est pas mal, regardez-moi ça. Je me trouve beau. Enfin, je trouve beau mon personnage et c'est le plus important. Donc, on va... Non, papa et maman, ils sont... Je vais pas dans la salle de bain parce que j'ai peur que papa soit en train de faire un caca. Heureusement. Je me suis fait peur tout seul. Voilà, ça c'est pour me... D'accord, papa s'est bien amusé. Alors je suis désolé, hein, chers amis, parce que j'ai eu le pouvoir d'arrêter le temps, mais personne m'a dit que je pouvais, grâce à ce pouvoir d'arrêt du temps, marcher sur la flaque électrifiée. Donc voilà. Donc ce qui m'a valu de chercher un petit moment ce que j'étais en train de faire. Ah, ça me tombe sur la tête. Clé de cadenas dorée, donc apparemment il nous manque encore une clé. Ils vont me suivre. J'imagine qu'il faut pas le réveiller pour prendre la clé. Personne. Papa, merci d'avoir fait pleurer maman. Pas tant que j'aurai mon mot à dire, putain. Personne. Tu es un très mauvais père.
putain de Kunstagram. Oh, petit merdeux. Petit merdeux. Bon, ça y est. Eh ben, laisse-moi sortir. Ah. Il y a une planche encore qui... Bon, bah, ça va. Alors, la planche est très mal clouée. Elle est clouée à l'intérieur, selon la porte, elle s'ouvre de l'extérieur. Bien joué. Tiens, comment on se retrouve, là, nouveau? Mettons de côté nos mesquines différences. Il se passe quelque chose dans cette ville. Oh, et boîte à outils doit intervenir. Viens, accompagne-moi au repère du professeur K. Tu veux sûrement connaître mes origines de super-héros? Tu vois, quand j'étais petit, mon père et moi, on travaillait sur un projet dans le garage. Quand un énorme orage a éclaté et un éclair a projeté mon père loin de son établi. J'ai couru pour l'aider, mais un autre éclair a fait fusionner ses outils électriques avec mon corps. C'est comme ça que je suis devenu super-héros et mon père handicapé mental. C'est bien qu'il le sache. Mon père handicapé mental. Ah. Randy Marge. Voilà pourquoi. Ah, c'est mon perso préféré. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu... Je ne veux pas simplement aller te faire foutre. Prends ça, poufias. Randy, ramène tes fesses tout de suite et arrête de rayer ma voiture. D'accord. Mais là, c'est différent. Mon père est encore plus débile qu'avant. Peut-être que Boîte à outils veut aider son père, car il a le sentiment qu'il aurait pu le sauver sur le moment. Alors ça, pardon, mais je suis très jaloux. Je suis... J'ai l'honnêteté de dire, je vous aime pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ah! On peut pas les toucher, apparemment. Ah bah, on arrive chez Kenny. C'est quoi ton histoire? Toi aussi, t'es arrivé quelque chose avec tes parents? Oui, mon père a osé faire l'amour à ma mère. Je comprends que tu veuilles pas en parler, ça doit être difficile à supporter. Oh, c'est absolument terrible. On est chez Kenny. Est-ce que je peux aller dans le garage de Kenny? J'ai déjà essayé, non? Je peux entrer par là? Nope. Oh ouais, c'est bon. Tais-toi! Oh merde, Servietsky. Oh non. Frotte pas trop, ça va? Ça frotte pas trop, ça va. Ça va, je vous interromps pas? Hey, nouveau, il y a un raccourci de ce côté. Ah, dites non à la drogue, chers amis, sinon vous finirez comme Servietsky, à devoir tailler des pipes à des mecs pour quelques dollars. Voici la maison pour de Mysterion. Vous achetez votre cam. Il y a un raccourci vers le nord de la ville. C'est ça South Park, hein, on va devenir un petit peu vulgaire. Bien que je ne le sois pas vraiment dans mes autres vidéos. Tu mais sens une odeur d'urine par ici? Tu savais qu'on utilisait l'urine comme engrais pour cultiver la marijuana? Quelqu'un en a fait plus. Oh non merde, j'ai cassé la télé. Et toi, ça te dérange pas d'avoir du... Bon, en même temps, c'est une serviette, c'est un peu fait pour ça. C'est un peu fait pour ça. Donc on est dans la cuisine. Et tu veux pas arranger ça, toi? T'as le super pouvoir d'avoir une visseuse. Des nouilles. Alors les nouilles, il faut que je les achète. Non, pas par ici. Suis-moi. Je peux pas le bouger, le... Bon, bah, c'est gelé. On va continuer, chers amis. Parce que c'est moi qui ai acheté ce putain de cristal, pas toi. Tu as acheté le cristal avec nos allocs, bordel. Avec nos allocs. Cette putain de pipe, Carole. Ma oh non, c'est du crack. Tu fumeras pas ma putain de cam. Ma chérie, je la fume quand même. Ah, voilà tout ce que tu mérites. Ah, il la frappe. Oh, elle le frappe. J'aime trop, bordel. On va se percer et faire l'amour. C'est pas l'amour, moi, mais je vais te baiser à mort. Non, c'est moi qui vais te baiser à mort. Oh, quelle femme. Merde. Oh, quelle femme, nom de Zeus, quoi. Ils achètent du crack avec les allocs. Ils achètent du crack. Oh, c'est terrible. Moi, je fouille. Enfant étoilé. Un poster de yaoi. Oh là 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 là. Ah bah oui. Ouais, oh ouais, non mais... Je vois. C'est comme ça que Kenny arrive à renaître à chaque fois. Fiche de perso de Mysterion. Il y a un raccourci par le placard. On l'examinera plus tard.
Oh là là, South Park, ça me fait tellement rire cette histoire. Donc les yaoi, les petits garçons gays, il nous en faut donc maintenant 30. Et le costume du Mysterion juste au-dessus. On en a 22, si je comprends bien. Maintenant, je vais te montrer l'outil le plus puissant de boîte à outils. La sableuse. La sableuse. D'accord, mais... Ah, je suis sûr qu'on peut péter quelque chose, non? Ah, attends. Recoule. Si, ça a marché, je crois. Ouais, je crois que la famille de Kenny faisait ça pour pimenter. Alors, je découvre, hein, c'est la découverte totale et en 4K. J'ai déjà dit ça. J'aime pas me répéter. Est-ce que je peux? Ah oui, je peux. Oui, non, mais ça, c'est l'entrée de... Tatin, bakaï, alors... N'est ici, con. Non, mais ça, c'est... Viens par là. On explore. La lave qui fait chier son monde. Donc, t'as le super pouvoir d'avoir une... Avec la force qu'elle génère, je peux éliminer n'importe quel obstacle. Une sableuse pour des Lego. Je vous rappelle que c'est des Lego rouges. Allume-le et je te montrerai. Et ma vidéo Lego qui a bien marché. J'ai eu très c'est bon retour. C'est le tunnel secret de Mysterion. Non, hop là. Le tunnel secret de Mysterion. Est-ce que je peux monter là-haut? C'est quoi cette lampe de poche? $0.25. Oh, des clodos. Il y a des pièces par terre en fait. 5 cents. Il y a un poster de yaoi là. Ces gars nous bloquent la route. Doit y avoir un moyen de les contourner. Mon cul, ouais. C'est notre jardin d'hiver. Viens, que je puisse te virer de ma pluie. Tiens, un sac. Trépané, ces gars-là, c'était censé faire référence à un outil, tu captes? Bon, c'était tiré par les cheveux. Trépané... Tu sais, dépanner oui, avec des outils, il n'y en a pas des masses non plus. Bon, j'ai tapé en premier. On va leur serrer les boulons, hein, ces types. C'est mieux, là. Je m'y repencherai plus tard. Qu'est-ce qu'on a? On laisse rentrer n'importe qui à Sodosopa, maintenant. Sodosopa, putain, avec un nom comme ça. Tu m'étonnes que les gens veulent venir. Et oui, et donc il était pas sur le bon trajet, lui. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Trouduc les fait seulement morfler. Je peux pas avoir les deux, hein. Je ne peux t'avoir les deux. On va quand même le faire saigner, celui-là. Je vais faire de toi mes nouvelles chiottes. Non, on va le laisser avancer. Par contre, celui-là. Je vais annuler ce coup-là. Ce sera pour la prochaine. C'est ça. Comme ça, tu taperas personne, espèce d'enfoiré. Attends. Donc, qu'est-ce qu'il a comme coup, lui? La tire. Deuxième ligne. Attends. Ah d'accord, il faut vraiment être sur le côté. C'est quoi les... Quel outil génial, boîte à outils va-t-il dégainer? Ok, balance le tournevis, inflige des dégâts et repoussement. Ah, il peut, c'est les deux. Mais c'est bien ça. Et puis B, c'est soigne et rafraîchit un allié. Ah, les tournevis, c'est pas mal. Double cruci. Tiens. Yo oui, ouais, mettons-leur une raquée. C'est bien ça. Il est bien ce petit, il est bien. Tu es sur mes plates-bandes ici, taxeur. Tu peux le faire, Trouduc. Mais je vais le faire. Je perds mes meilleurs fluides. Je sens la peur. Ou alors c'est moi. Ou alors c'est moi. Je te raconte pas tous les sévices que je vais infliger à ton cadavre. Nom de... Nom de... Mort au clodo. Mort au clodo. Mort au clodo. La drill. Eh bah ça le tue, dis donc, eh. Perceuse laser. C'était ma fronde perforante. Il est bon, hein, Stan. Il est très très bon. Vous nous embourgeoiserez jamais. Ah bah dis donc, je suis déçu que vous vouliez pas devenir des bourgeois. Oh. Alors là, mon gars. Très très déçu. Une petite pièce.
Bon, mais il saigne déjà, je sais pas quoi faire, nanana. Ah, mais attends. J'ai touché deux, là. Tronuc les a anéantis. L'ulti est prête. Alors, l'ulti consiste à buter en un seul... on va l'essayer. En un seul coup, 170, oui. Eh ben, allons-y. C'est le pouvoir de l'assassin. Elle charge vite, hein. Il faut vraiment que je me dise de l'utiliser souvent. Oh mec, c'est trop fort! Et après, il devient invisible. L'heure de la justice maison a sonné! La justice maison... Je l'atteins de là? Oui, je l'atteins. Tournevis de la mort! Car tu peux rien contre mes outils! Il est mort. Super. Bon, on a tabassé du clodo. Et on gagne 6 fonds de bon sens. Artefac ADN, agression primitive. ADN, on a un nouveau truc d'ADN, il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir le truc de l'ADN. Ça, évidemment, je n'en ai pas d'autre. Je ne peux pas en fabriquer pour l'instant. C'est un spinner doré. Le truc de Clodo, c'est là. Alors, ça donne plus de force, moins de vie, plus de cervelle. Est-ce que ça m'est utile, la cervelle? Alors, c'est plutôt pour les télépathes. Hein. Ça, c'est les Ganzes. Tiens, où c'est que j'ai chopé l'ADN de Timmy? Oui, ça, c'est vraiment pour l'esprit. L'esprit, c'est pour les gays. Servietzli, c'est pour les drogués. Du cran. Bon, je vais laisser la mère juive, le pouvoir du judaïsme. Et je vais... Ah non, mais il y a plein de petites pièces, 10 centimes. Alors, je rappelle que ça fait quand même beaucoup, 10 centimes de dollars, puisqu'on ne gagne que ça dans le jeu. On ne gagne que des petits morceaux de dollars. Quand tu gagnes 1 dollar, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Le poster de Yaoi, vous en faites pas, je l'ai vu. Oh mon dieu, mais ils se font carrément un bisou. Oh là 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 là, c'est tellement homosexuel comme dirait Lennon. Il y a une pièce, ça, je me trompe pas, je la vois là. Vous la voyez vous aussi, grâce à la 4K merveilleuse. Et reste de bœuf, machin. Il y a trop de pièces, chers amis, ça doit être chiant. Bon, on a fait le tour, c'est bien. Oh, j'ai ramassé toutes les petites pièces, je suis content. South Park Station. Ok. Et on est dans le repère de Butters. C'était quoi déjà son... C'était Chaos, ça. Ah, ben voilà. Mais voilà, gros. Les amis du Coon, rassemblement. Voilà le raton laveur grassouillet. Le traître montre enfin le bout de son nez. Eh, wow, non. J'ai dit que j'étais le nouveau, pas vous les losers. Ouais, bah le nouveau fait partie de la bande, et la bande se serre les coudes, abruti. Allez, il faut passer cette clôture. Ouais, boîte à outils, c'est ce que veut le nouveau. D'accord. Tant qu'il y a un générateur électrique pas loin, je peux utiliser ma sableuse pour éliminer n'importe quel obstacle. Ouah, wow, c'est... Le c'est pouvoir d'avoir des outils contre des Legos. Ça a marché. Le coup c'est sa bande, en avant. Laisse-moi te dire un truc, boîte à outils. Je te fais pas confiance. Tu fais un pet de travers et je te pulvérise. Je suis seulement là pour le nouveau gros cul. Après soir, on redevient des ennemis jurés. Ah, Civil War, tout bien. Ça, tout ça, les héros les uns contre les autres. Les chats finissaient tous dans l'un de ces locaux de stockage. On se disperse. Viens là, Minet. Viens, Minet. Viens là, Minet, 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 miaou, miaou. Minet, Minet, miaou, miaou. Bon, viens, Minou, Minou. Minou, Minou, miaou, miaou. Bon, bah, on va ramasser des choses. Tiens, je peux pas. Ok. Sacripant! Capitaine Diamant! Viens, Minou! Je vois rien, boîte à outils! Il me faut plus d'élan! Étant un cerf-volant, je pensais que tu pouvais voler, non? Pas tout le temps! Pas tout le temps, ouais. Et une clé.
Clé de l'arrière-boutique Ustorite. Et c'est... C'est marrant quand même de ne pas laisser cette porte fermée, de mettre la clé au-dessus et... C'est la clé de là ? Ah oui, c'est la clé... Bah voilà, nickel, ok, non mais d'accord. Employé du mois, j'ai envie de dire. Et puis, c'est un coffre-fort, dis donc, oui. Tenue de champion. Tenue de champion. Oh, une tenue de champion, je veux être un champion. Je veux... C'est pour moi, je suis un champion dans l'âme. Alors, c'est juste la tenue, hein. Tenue de championne, tu veux dire. Champion. Mais non, mais c'est pour les bitches, ça, oh là. Mais c'est presque vulgaire. Oh là, oh punaise à ça. Alors là, oh là là, oh là là, la biatch. Oh, la biatch de 8 ans, quoi. Ah, je reste comme ça. La biatch de 8 ans. Bon, bah, a priori, c'est tout. Donc, tout ça pour une tenue, ok, d'accord, pour une tenue de biatch. Parfait, parfait. Quand j'ai envie d'être une vilaine, je mettrai ça. Bon, alors, je rappelle que j'ai dit que j'étais hétéro. J'étais cisgenre. Et ça, c'est un masque. Chaos, c'était un piège. Putain, mais... Bonjour, la bande des coons. Le coon et sa bande. Bienvenue dans mon repère. J'ai acheté plus de papier alu et de mignons que vous ne pouvez imaginer. On m'a donné 20 000 dollars pour tenir les fouineurs à l'écart. Quoi ? 20 000, juste pour empêcher les gens de fourrer leur nez par ici. Mais il m'en faut que quelques centaines pour ça. Alors, vous savez ce que je vais faire avec tout le reste ? Aller à Paris, taper du Viagra et baiser de la petite française. Super Craig. Craig qui... Faux ! Je vais détruire cette ville et prouver que c'est moi le méchant. Craig qui a les bonnes idées. Et pas ce nouveau caïd de merde. Adieu, il y a un nouveau caïd de merde. Et donc pour 20 000 dollars, t'as acheté des hamsters dans une boîte. Mais comment ils nous mordent s'ils sont dans une roue? Parce qu'ils peuvent pas nous mordre là du coup. Mignon? Oui, c'est ça. Non, mignon, vous devez les tuer. Oh, ouais. Fais chier. Ok, on trouve ce qu'on a dû chercher et on se casse d'ici. Bon, bah, allons affronter les hamsters de Butters. Bienvenue dans mon antre de chaos et de terreur invisible. Chaos. Je veux juste aller voir ce truc-là. Non, rien. Et ce machin bleu-là. Je rappelle que c'est seulement ce qui est jaune que l'on peut... On peut ouvrir et ramasser... Un drapeau français avec un danseur étoile. Alors c'était l'espèce de petit bonhomme qui mettait des baffes à tout le monde. À sa femme, à son fils, à tout le monde. Servietski, qu'est-ce que tu veux ? J'ai rêvé que j'étais un torchon à vaisselle. Un putain de trip ! T'as pas rêvé que t'étais en train de faire une pipe à un mec ? Donc, ouais, ok, donc il faut détruire des choses. Comme cette magnifique horloge. Pas du tout. C'est les pétards. Les claques-doigts. Et... Ok... Une moustache. Chouette. Alors, est-ce que... Vous voyez ce sac, là? Est-ce que je peux le... Non, ça marche pas. Non, ça... Ah bah, je peux pas monter. Right, maybe just a little bit more. Je parle anglais parce que c'est tellement plus classe. Bouteille de verre, elle se casse. C'est un artefact, niveau 60. Alors, on a eu du niveau 40 assez rapidement. Tiens, ça commence à briller. On a eu du niveau 40 tout au début. Donc là, c'est remonter le temps, j'imagine. Et l'échelle s'est repositionnée. Ok. Par contre, il y a ces espèces de machins en verre, là. Que l'on casse bouteille de verre. Bon, bah, well, d'accord. Rien de... C'est pas un secret. Ah oui, bah, le machin, il est revenu. Donc, je vais pouvoir détruire ça. Super. Oh là là, mes envies de destruction et de pyromanie sont assouvies par ce jeu. Et de paix, surtout. J'aime péter sur les gens, chers amis. J'aime... Dans la vraie vie, hein, je veux dire.
Et c'est du tissu, du tissu. Est-ce que je peux fabriquer? Est-ce que j'ai quelque chose à fabriquer déjà? Ok, heureux, chers amis. Excusez-moi, des gens osent me téléphoner pour des broutilles en plus. Oh là là, s'ils savaient ce qu'ils interrompent. Une vidéo en 4K, mais comment osent-ils? Disons, c'est qu'on a du tissu, on pourrait être Captain Topperware, hein? Topperware, tenue d'enfant des étoiles, le bandeau. Nah! Ah, par contre, ça, on peut fabriquer ça. Ça, je fabrique. Parce que les nouilles, pour invoquer Moïse. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est très, très bien. Il faudrait arriver au niveau 14 de fabrication plus tard. Il faut que je trouve une boutique qui vend des. Qui vend du tissu. Donc je récupère des bouteilles de verre et du verre, tout simplement. Il n'y a rien d'autre là, il n'y a pas un secret, il n'y a pas un quelque chose. Genre tu casses tous les machins en verre. Une épée, je veux une épée! Bon bah tant pis, allez, on a traîné que trop ici. Le drapeau français. Bon, les hamsters de la mort et Stan qui nous attend. Keep out, c'est-à-dire barrez-vous. Alors, c'est un peu tard hein, pour Halloween, 2-3 jours trop tard. Viens, désolé, Minou, hein. Minou! Ah, salut, mec! Non, il n'y a pas un. Miaou! Chiffon trompé de pisse, super, magnifique, merveilleux. Vous n'entrerez jamais! Ma forteresse est impénétrable! Ça, c'est parce que tu ne connais pas. Non, c'est pas ce bouton-là. C'est parce que tu ne connais pas Captain Diabète. Il tire sa force de mes proutes. Quand je lui pète à la figure, il devient hyper puissant. Diabète à la rescousse! Dégagez! Tu t'es mis en travers de notre chemin, mec! Alors, je t'inquiète, vous invite... boîte à outils! Troduc va invoquer ses pouvoirs temporels de folie! Ah oui, ça, on va remonter le temps. Et oui, ça nous empêchait de tu passer. Vois hein? N'oubliez pas que j'ai des pouvoirs trop cool, moi aussi! Ouais, t'as une visseuse. Vous n'entrerez jamais! Ma forteresse est impénétrée! Quoi? Vous avez réussi? Alors, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Twitch de Yui, qui joue à Overwatch, qui a un Genji de toute beauté. C'est le meilleur Genji que j'ai jamais vu, qui est adorable et mignonne à la fois, tout ce que j'aime. Et elle a joué à South Park, et elle a fait une fille totalement féminine, et quand il s'agissait de se frotter contre la figure de Captain Diabète, elle était morte de rire à chaque fois. C'était terriblement gênant, j'ai adoré. Je vous vois! Vous ne croyez tout de même pas que je n'aurais pas prévu de plan B? Vous savez au moins combien de millions on peut acheter avec 20 000 dollars? Oh non, t'as pas acheté 20 000 hamsters! Butters, tu viens rentrer chez toi? On essaie de trouver un chat perdu! Dans vos rêves, la bande des cons! Butters, en fait, si quelqu'un te donnait un gros paquet de fric, légalement, cet argent reviendrait à notre franchise, à nous tous! Non, plus d'argent, c'est... plus de mignons! Voyons comment vous allez vous en tirer! Oh, des mignons! Des mignons tout en alu! D'accord, donc on va taper des petits gars de Butters. Le rideau du chaos s'est abattu sur vous. Maintenant, mets au bord. Qu'est-ce qu'on a? Il faut à chaque fois que je me rappelle à nouveau des coups de chacun. Je veux pas voir ça. 149, c'est bien. L'heure de la destruction est venue. Lors de la destruction... Aïe! Enfoiré de mignon du chaos! Pourquoi t'es-tu associé à ces minables, boîte à outils? Ouais? Pourquoi, Stan? Là, on a une belle ligne, hein. Et le tournevis, il me semble qu'il... Ah, le tournevis, il marche bien, regardez. Entièrement sur le côté. Adieu, chaos! Ah, vous êtes en train de perdre! Pas très mal, c'est fantastique. T'assures, être duc. Assurons jusqu'au bout... Oh, ce pouvoir cheaté de pouvoir attaquer deux fois. C'est quand même juste extraordinaire. Or par là, ah bah Vous n'avez fait qu'ôter un grain de sable du sablier représentant votre perte. Il n'en reste plus qu'un. Ah! Oh! Hey, je vous paie, et pas qu'un peu, alors je veux des résultats. Toi tu sers à rien ici, bah, il est tout en haut, donc on va passer. Tes mignons ne peuvent rien contre mes griffes, KO! Trop loin. Trop loin. Raté. Et
éliminer ces idiots de mortels. Ah, tu vas te faire voir. Est-ce que oh mon dieu, attendez, vous la mise bien propre. Perforation de mignon. Perforation de mignon. Attends, si je me mets là, parce qu'il a un truc, c'est la foreuse qui marche très très bien. Et il marche seulement sur les côtés. Il est bien, Stan. Je crois que je vais le garder. Roi de la gâchette. Et il fait très vous très mal. Hein. Tous. On en vient à bout. Ah, il y a sûrement autre chose. Oh putain, quoi encore? Avec ces nouveaux fonds, j'ai trouvé une source de mignons encore plus formidable. Tous prêts à travailler pour des salaires plus que raisonnables. Plus que raisonnables. Vamonos, mignons. Détruisez la bande des clowns. Le clown et sa bande. Bon, les mecs, on peut pas rester là comme ça et les laisser déconner avec le nom de notre équipe. C'est l'heure, cool. Travailler des Mexicains. Alors, je rappelle que dans un des épisodes de South Park, Butters devient le roi du Mexique. Le clown et sa bande, Butters, bande de merde. Butters qui devient le roi du Mexique. Piu, piu. Il vous faudra faire mieux que ça pour venir à bout de mes hordes de mignons, la bande des cônes. Oh, il met des coups de pied à des gamins, tout va bien. J'ai vacciné mes mignons contre la rage. Qu'est-ce que je fais? On va commencer à taper un petit peu le même. Ou pas. Prendre la place d'un ennemi. Et oui, on va faire ça, en fait. Oui, on va faire ça. Ça va piquer un peu. Lâchez-vous, mignon. Est-ce que c'est mon tour, maintenant? Chaos sous la mort. Leur emprise chaotique m'empêche de comprendre ce qu'ils disent. Le petit gringo est muy malo. Si, mais il paye buen dinero, alors... Buen dinero. Ok, c'est à moi, et c'est compliqué d'ici. Là, ça me... Alors là, il y en a un, là, il y en a un. Bon, bah déjà, buen dinero. Nam, 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 nam. Oh, tu l'as laissé te cogner. Super. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais claquer l'ulti, chers amis. Je vais claquer l'ulti. Oh, punaise. Bah oui, bah, c'est le but en un coup. Est-ce que si je claque l'ulti sur quelqu'un d'autre? Parce que bon, celui-là, il est pas... C'est 180. Qu'est-ce qu'on a là? On peut regarder quand même. Mais il a l'air méchant, là, le Chicanos qui... Tiens, mais ça le tue pas, là, le... Ah, c'est boîte pas, à non, outils, ça le tue. Je sens le chaos sans toi, rejoins-moi. Ça se recharge, hein, chers amis, ça se recharge. Si elle se recharge encore une fois, on verra l'ulti de boîte à outils. Si on y arrive. Allez les mignons, là. Vous pouvez faire mieux que ça. Le pauvre mexicain, et en plus je deviens invisible. Tias niños, agáchense. Oui oui, détruisez l'outillage électrique. Boîte à outils contre les mignons de chaos, battez-vous. Les mignons de chaos. Nope. C'est oui, bon bah tant pis. Putain, je lui fais moins mal. Allez, 360, il faut peut-être commencer à le taper lui, hein. Bibiou, bibiou. Je réfléchis, chers amis. C'est un mignon que tu viens d'avoir. Tu es faible, cerf-volant, mais j'aime bien ton choix de couleur. Est-ce que je fais pas un peu de la mode? On va lui faire mal. Au troisième coup, il sera mort. Parce que... Ouais, il a l'air fort. Il a l'air... T'as bon sang. Celui-là était au SMIC. Dios, perdóname. Il demande pardon. Je le sens bien, ce coup-là, les mecs. Il demande pardon à Dieu. Oh là là. Allez, celui-là, on je t'ai coulé. Bon sang, je vais manquer de mignon. Attaquez, mignon, attaquez. Boîte à outils. Qu'est-ce qu'on a, là? La drill, hein, j'ai envie de dire. La drill. On va peut-être même... Attends, bouge pas. Mets-toi là et commence à te heal. Une quesadilla, c'est ce que j'en ai encore. J'en ai 13. Voilà, tu Est-ce que Butters se paie vraiment, ces gars-là? Voilà, on évite de le perdre tout de même.
Ressens la colère de l'homme cerf-volant. L'homme à cerf-volant qui donc peut soigner un allié. Biu, biu. Boîte à outils prête à balancer un deuxième tir laser au besoin. Oh, tu veux que je souffle sur ton bobo, cerf-volant? Fais pas chier ton soigneur si tu tiens à la vie, connard. Et on va le finir. Oh, presque. Un, il m'en manque un. Oui, t'es tout seul, connard. Vous laissez pas intimider par ces super nullards. T'es tout seul, super chicanos. T'as les Mexicains qui n'en ont rien. Oh là là, l'ulti est prête. L'ulti est prête. Je peux le buter 180 en un coup. Ah oui, je sais, j'ai dit qu'on verrait l'ulti de... Oh, mais non, mais... Oh, ça m'a tellement excité d'un coup, là. Oh, que j'aime faire les assassins. Oh là là. Ok, je le reconnais, Trouduc. T'as du potentiel. 360. J'aurais pu buter d'un coup le mec à... Il faut vraiment que je regarde les points de vie des gens, hein. Enfin, ça dit, l'autre était... C'était l'air le méchant dernier. J'en sais foutre rien. Vous prenez l'allée là-bas, Supercac et moi, on monte sur les toits. Ça s'est bien passé, c'est le principal. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un super boss encore. Il y a des choses à récupérer. Le mec qui cherche le stuff à tout prix. C'est pas une machine du chaos ça, masque bandeau. Bon bah là, qui sait plus lire. Et donc on arrive... Oula, ça va me buter. Alors, le machin, il est là. Cette fois-ci, je suis pas trop con. J'arrête le temps. Et puis, je vais débrancher le... Ah, 3, 2, 1. Ouf. Alors. Ah. La TNT, la TNT. D'accord, il y a un trou dans le mur. Est-ce que la voiture, vous croyez que la voiture, on peut la faire sauter? Dites-le moi en commentaire, et puis peut-être que dans deux jours, je lirai. Pas du tout, mais évidemment, comme je remonte le temps. Oh là là, le pouvoir de l'anus. Le pouvoir de l'anus. Est-ce que je devrais pas monter là au-dessus? Pour ne pas dire monter là en bas, connard. Et ramasser ce truc-là. C'est une tenue des terres désolées. Avec une paire de lunettes des terres désolées. Oh, mais il est classe comme ça. Hein. Il est super classe, mon petit bonhomme là. Oh, on va quand même essayer. Essayons-le parce que vous savez que les costumes. Oh, ça m'excite, moi. Moi, j'aime ça, les costumes. Hein. Le costume de Yolanda, oui, il m'excite. Et ben, elles sont où ces lunettes? Il est à craft le costume, j'ai pas vu. Eh ben, costume de terre, désolé, c'est Mad Max. Ou alors c'est juste des lunettes là. Lunettes de soleil des terres désolées. Oh, c'est très moche. Ça, c'est des, ben, c'est des lunettes ozone. Je vais mettre ça et puis je vais reprendre ma tenue. Ma tenue qui est cholipelle. Qui est ici. Ça nous en fait des tenues. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'elle... comment dire, que ces tenues ne servent à rien au niveau... c'est cosmétique, quoi. C'est cosmétique. C'est pour moi, c'est pour être jolie belle. Et puis encore Halloween, c'est un peu tard... Crotte de souris, super, magnifique, merveilleux. Et on va avoir besoin de l'homme cerf-volant. Kyle, amène-toi. La prute mobile est avancée, hey monsieur. Ha ha. Wow. Yes. A plus. Oh, que j'aime les QTE. Que j'aime les QTE. Et c'est... Eh, est-ce qu'il faut que je te... Ah, attends. Ok.
J'ai compris. Pardonnez-moi d'être un sac. Voilà. Je suis un intellectuel. Merci, suffit de demander. Recette réveil abyssal. Oh, qu'est-ce que c'est cette réveil abyssal? Allons voir ce qu'on peut faire en création. Hein. 58 seulement, 58. Et il fait 20 de... Il faut que j'arrive à 250. Là, il fait 20 aussi. Oui, non, mais c'est... À la rigueur, ces machins-là, il faut qu'on les vende, quoi. Là, ça fait 10, 24. Le costume de Topperware. Est-ce que je peux... Oui, allez. Parce que... on a les... Quand on passe les niveaux... Encore un, hein. Quand on passe les niveaux, normalement, les objets que l'on a évoluent. Non. Je vais me faire foutre. Ok, non, d'accord, pas de soucis. Peut-être qu'il faut les acheter. Alors là, il faut revenir en arrière. Voilà, ça va être passionnant à regarder, hein, chers amis. Ça va être passionnant à regarder. Donc, il faut que tu descendes, que tu ouvres le machin, que tu reviennes. Qu'est-ce que c'est? Du tissu. Bah, du tissu, c'est bien, ça nous permettra de fabriquer. Voilà. Des bois-boîtes, des machins, ça se... Ça descend pas. Ok. Une lampe à lave. Un seau. Et normalement, je vais devoir faire venir... Pas encore. Ah, d'accord, oula, il fallait le savoir, hein. Enfin bon, bref. Pourquoi K.O. voudrait-il envelopper un camion entier de papier alu? C'est pas le problème. C'est vraiment le papier alu qui vous ennuie. Ouais, c'est qui, celle-là? On peut faire de méchantes choses avec un camion quand on est un enculé. Tu avais raison à propos du restaurant italien, la nouvelle. Le propriétaire fait partie d'un nouveau syndicat du crime. La call girl. C'est qui, celle-là? J'ai pas tilté la première fois. En tout cas, elle fait pas partie du groupe. Excuse-moi, t'es sur Instagram? Il y a un nouveau en ville qui rassemble toutes les familles du crime sous la même bannière. Bon, super, merci, ciao. Tu veux dire comme un caïd? Hé, ne dites rien, les mecs. On joue pas avec elle. Va voir le local de stockage 56D, la nouvelle. Et tiens, prends ça. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je pense qu'il va te falloir toute l'aide nécessaire. Oh, elle est mignonne, la call girl. En fait, n'importe quel crétin croit qu'il peut devenir un super-héros, c'est ça? Bon, trouvons sa crypto et finissons-en. Tu sais de quoi tu parles. Ah là là, la call girl. Vous savez ce que c'est qu'avec une call girl, chers amis? C'est une fille que l'on appelle. Et quand on l'appelle, eh ben, en général, c'est pour... comment dire? Ok, vous voulez jouer? Nah, you know. Oh, qu'est-ce que c'est? 70 artefacts. 7 dollars seulement, une quesadillas. Mais je les fabrique, moi, les quesadillas. J'en ai pas besoin. Est-ce que je devrais le prendre? Moins 2. Nah. Parce que c'est pas la recette, hein. Je me fais pas d'illusions, c'est pas la recette. Oui, c'est par là. Ils ont mis du machin qui brille sur le ballon. Hein, ça fait le chemin est bloqué, on n'a pas de compresseur. Il faut passer par un autre endroit. C'est un peu ringard d'avoir un super pouvoir qui ne fonctionne qu'avec un compresseur sous la main. On n'est pas dans la légende de Zelda, mon pote. Va te faire foutre, Koon. Comment... Tenez, utilisez ça. Ah, oui, d'accord. Je vois personne dans quoi capable de déplacer de la lave, Koon. J'ai compris, chers amis. Joli déplacement de carton, le nouveau. Ah oui, merci, ça c'est... Putain, je vais faire des vues sur YouTube avec ça. Sérum de réanimation max, ça c'est cool ça. Non, tu descends. Alors, mais c'est passionnant. Hein. Mais c'est un beau carton que t'as là, bien costaud. Ah, bon, ouais, on peut continuer. Très beau travail de carton, on embraye. Absolument magnifique.
Encore du merdier et encore du merdier. Parfait, de quoi attraper le sida, le tétanos. Les gars, vous voyez ça qui est quelque part. Ah merde, la lave. Tu peux arrêter de saouler, K.O. Pas K.O., mais son acolyte. Général Désolation. Il a la même voix que le cousin de Kyle. Gaffe, c'est un rouquin. Savez-vous ce que le professeur K.O. a projeté pour cette ville? Écoute, mec, toi et Butters, vous poussez le bouchon trop loin. Ouais, c'est le moment de vous donner une leçon. Ça sera pas aussi facile que vous croyez. Cartman, fais gaffe. Putain. Des minions, vamonos. Vamonos, encore des Mexicains. J'ai changé de masque, il est cool, hein, comme ça. Bon, battre le général Désolation. Vous avez pas le choix, ami Dukun. Le sol est en lave. Ou du moins, il le sera bientôt. Agenouille-toi devant. Tout sur le général. Tout sur le général. Alors, je crois qu'il a une attaque qui permet de... Non, c'est le moustique. Je confonds. C'est le moustique. Oh là là. J'aurais dû prendre le moustique. Il me casse les couilles, le gros. Ok. Là, je vais pouvoir les taper les deux, je crois. Non, c'est là. Place au trône. Aïe. Merci d'être resté planté là comme une salope de biche devant mes phares. Vamonos, minions. Plus de millions. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit KO gratuit, le garçon? Tu dégages. On sert votre tour est maintenant la propriété du coup. Allons-y. Attends, mais je marche sur la lave, je suis fou, je vais prendre feu. Là, c'est un peu short, là, il n'y a pas de... Soigne et rafraîchit les alliés. Alors, est-ce qu'il peut les lancer à partir de là? La lave fait obstruction? Parce que t'en as deux, c'est gratuit, quoi. Attrape! Ah, un autre minion éliminé, plus que 843. Aïe, aïe, aïe! 843. Je suis passé dans la lave. Laissez entrer les machines de la mort, baptisées les méca-minions. Machines de la mort, quoi. Oh, estamos colocados en el modo. Allez, les méca-minions, vamonos! C'est des Mexicains dans du papier alu. À toi de jouer, le nouveau. À moi de jouer. Ah là là, les Mexicains dans du papier alu. Et lui, il s'est barré, le général Désolation, non? Il est juste là. Bon, comment on procède? Et combien ils ont de points de vie, ces salopards? 300. On va essayer de les buter quand le... Quand ce sera chargé. Les mecs, puisque je suis le général du professeur K.O., je pourrais avoir ma série quand vous l'aurez tué. Non. Le seigneur Peter arrive en trombe. Celui-là, il est mort. Et si je me place ici, stratégiquement ici, sur X, j'en ai un maximum. Tu charges des affaires, Protoman. Ça fait, 4. 3. Loco americano. Les sangs ne s'arrêtent pas. Oh, je suis en l'air. D'accord. Bon bah allez. Piou piou. Aïe. Travaille au laser de premier ordre, mec. Et le monde sera chaos. Et la lave recouvrira la terre. Donkey, espèce de sale fils de pute. Oh, alors la jauge sur le général. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Je savais pas que j'avais autant de sang. Ça va piquer. Rentre chez ta mère, abruti. Micro-agression, frappe-le. Ah, ça me fait bouger en plus, c'est juste bon ça. Oh. Non mais il revient à sa place, ce con. J'ai exprès passé le tour. J'espère du... J'espère que le maître a vu ça. J'ai exprès passé le tour du coup parce que la lave... Pile à l'heure. Ouais, mais j'ai pas fini, mais je suis tout en dernier, moi. Attends une minute, est-ce que je peux... J'en sais rien. Oh là 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 là, ça pue du cul, les enfants. Hein. Ça pue du cul, les amis, pour moi. Hein. J'ai cruci. Le chaos ne manque pas de réserve. Oh ouais, ça brûle, pas de doute. Oh. Es mi turno? Oui, c'est ton tour, ouais. Encaisse, trou duc. Moi, je vais mourir, je trop pense. De sangre. Gaffe au plus mendieux. Attends. B. Je suis là. Super, protection. Vous allez tous être détruits au nom de K.O. Pourquoi t'es chiant à ce point-là, Désolation? Je suis le vilain. Continue, ça le K.O. et la folie t'attendent. Meurs, misérable humain.
Il y a du sang partout. Beaucoup, mais... Concentrez-vous sur le rouquin. Ces mignons arrivent en masse. Nananananananana. Allez. Nickel. Ah, je l'ai bien réussi, là. On avance un peu à chaque tour. C'est comme ça que ça marche, une perceuse. Tu m'étonnes. Nananananana. C'est ta fin. Il faut vraiment se dépêcher. Dans l'huile. Bon, il brûle pour rien. Ok. Allez, Trunuk. Super. D'accord, on va déjà jouer deux fois. Ok, il y a Kyle qui est en train de brûler. Oui, ça c'est... Waouh, je suis presque impressionné. Il reste plus que lui, donc... Bon bah, allez, l'ulti. Ah, j'aurais vu que son ulti à lui, hein. C'est dommage. Ok. Je sais pas, je cherche une excuse, mais j'aurais... Bon, bref. Elle vient à peine de charger aussi, alors... disons que finir le combat le plus rapidement possible pour voir un autre, déjà. Parce que la vidéo est toujours longue, hein. Je vous régale, j'hésite pas. Je bourre les... Oh mince, de la lave partout. Je crois que c'était le dernier. Ne compte pas là-dessus, on devrait faire un... Attends, Super Krag. Putain, merde, Super Krag. Oh merde. Super Krag, tiens bon. Merde, on n'a pas le compresseur sous la main, impossible de virer la lave. Tiens bon, Super Krag, on va trouver un truc ou brancher la sableuse de boîte à outils. Toi et moi, on sait que je suis déjà mort. Non, Super Krag, on va trouver un moyen de te sauver. Fais quelque chose, boîte à outils. Y'a rien ici, ma sableuse a besoin d'air comprimé pour fonctionner. Va chercher celui de l'entrée. Les portes ont claqué, je te signale. Vous en faites pas, les gars. On connaissait les risques en acceptant de rejoindre le Kun et sa bande. T'inquiète, Super Krag, on va te ramener à la maison. Désolé, Kun, mais il semble que ce soit bon pour en aller simple. Non, Super Krag, non. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te laisser. Oui, non, mais d'accord. Savoir mais... défiler mon passé, des choses que je regrette, des gens avec qui j'aurais pu être plus gentil. Qu'on apporte un putain de compresseur! Est-ce que. Mais barre-toi, Kyle! Non, je peux pas monter! Si au moins il y avait du vent ici! Du vent? C'est quoi cette histoire de vent? Bah alors? Ah, d'accord, tu veux le brancher sur. Le vent, tu veux le brancher mais sur mes fesses? Il se le fout dans le... Ça va pas à la tête. T'as conscience du pain qu'il faudra accoucher pour que ça fonctionne? D'accord, il faut trouver le... Putain, c'est son trou de balle, ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau s'est fourré un tube dans le cul et a dispersé toute la lave. Les gars, allez choper K.O. Moi, je vais essayer de stabiliser Super Krag. C'était quoi ce truc, enfoiré? Ça, c'est une injection intracardiaque, Super Krag. Il fallait que je te stabilise. Ah, mais tu déconnes ou quoi? T'aurais pu me tuer, putain. D'où est-ce que tu tiens ça, Cartman? D'internet, Super Krag, garde ton calme, tu es gravement blessé. Partez devant vous autres, je vais essayer de stabiliser. Il lui enfonce une aiguille de 10 cm dans le corps. C'est vraiment cool comme truc. Maintenant, on peut faire disparaître la lave comme on veut. On fait une super équipe, Troduc. Super, la sableuse. Le compresseur, c'est moi, j'ai compris. Oh, suis-moi, Troduc. Et l'autre abruti qui lui... Ok, d'accord. Ah, pardon les enfants, je suis mort de rire. Général Désolation, tu es là? Eh oh, Général Désolation. Bah, je peux pas aller sur le côté. Les coups ont été réduits en cendres, n'est-ce pas? Merde. Allez, on va aller chercher le Général Désolation. Ok, Troduc, il faut qu'on monte sur cette plateforme de château d'eau pour faire un peu de magie de prout mobile. Magie de prout mobile. Dégagez les amoureux de l'ordre, c'est réservé au chaos ici. Et il faut que tu le fasses taire, lui. Il est vraiment relou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe en bas? Si vous faites des dégâts, va falloir payer. Ah oui, ça, tu vas payer quelque chose, mon grand. Oui, ça va former une plateforme. Ça a pas l'air bon, ça. D'accord. Le temps est au... Ah, c'est dégueu, mec. Ok, ça va nous rapprocher un peu. Continue. Tiens, branche-moi un tuyau dans le cul. Boîte à outils, là. Voilà, c'est ça. Le compresseur. Génial. Super, on peut décoller. Montons vite là-haut.
Attends, une minute. Si on monte là-haut, est-ce qu'il y a... Non, il y a rien d'autre. Hein. Non, mais ce morceau de bois du démon qui m'empêche de passer. Oh là là, oui, mais fous-moi un tuyau dans le cul pendant qu'on joue à faire des super-héros. Bon, bah, allez, il faudra pas se gourer dans les QTE, à mon avis. Waouh ! Oh là là ! Voir de là-haut. Oh, le pouvoir de l'anus, chers amis. Le pouvoir de l'anus de ce gamin. Incroyable. Il est chinois, c'est pour ça. Bon. Butters, viens là que je te tue, salopard. Un antidote. Ça n'augure rien de bon. J'aime pas trop les effets d'empoisonnement, à mon avis, quand on affrontera Butters. Ah bah, on arrive par à nouveau ici. Nouveau. Bravo, je me crame, quel idiot. Vois si tu peux faire quelque chose avec cette lave. Oui, oui. Boîte à outils, toujours bien munie. Allez, Stan qui se fait toujours un plaisir. Stan qui se fait toujours un plaisir de me mettre un tuyau dans le cul. Très bien, très bien, continue, introduque. Ah bah oui, putain, il porte bien son nom, quoi. C'est quoi, dans un des premiers épisodes de South Park, les aliens avaient mis une sonde dans le cul de Cartman. Ce qui fait que... Ah bah, je me souviens plus, il y avait des vaches qui se faisaient bouffer, les aliens arrivaient à chaque fois. Est-ce que c'est là? Ah oui, c'est Captain Constate, le héros qui constate les désordres, les dégâts après qu'ils aient eu lieu. Par contre, ça, je peux pas le couper apparemment. Par contre, est-ce que je peux ramasser ça? D'accord, réflexion. On s'en occupera plus tard, il n'y a rien d'autre. Hein. Elle est longue, cette mission, chers amis. Elle est vraiment très très longue. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ah, là-bas, il y a un... Il y a un Toyo percé. Bon, avançons. Encore du merdier. La lave va couler, chaos va régner. Mais je le cogne. Chopez justicier. Je frappe en premier et on va s'en débarrasser. J'ai oublié de le changer de coéquipier. Donc il y en a trois là. Oh, vous êtes chiants les mecs. Hein. Vous êtes chiants les mecs. Pas mal le nouveau. Quelqu'un est prêt pour sa série dérivée, du moins pour la télé turque. L'heure du chaos a sonné. Ah, le premier jeu, je le dégage. Ah, votre tour est maintenant là. Je savais pas que j'avais autant de sang. Allons-y. Si vous cherchez le coup, vous en répondrez devant ses amis, pas vrai les mecs? Ouais, ouais, on arrive. Qu'est-ce que je fais? On va commencer déjà par cela. Oh, ça le tue carrément. Je les ai eus. Les outils vont passer à l'action. La drill. Ah mais carrément, comme ça il peut... Ah bah c'est dommage ça, mais alors si je me mets ici. Et si je me mets ici, c'est bien. Hein. Dégaine. Tu t'es fait grave perforer. C'est bon, hein. Mais y'a rien à dire. Prends garde, c'est pas le mal, car du ciel fond le cerf-volant. Alors lui, il faut qu'il reste à distance. Piu, piu. Quelle magnifique, magnifique jeune lumière! Quasiment 200. Incline-toi devant K.O., tu le regretteras, esclave! Je parie que tu nous sous-estimais! Voire pas ce coup-là, en flux! Pas du tout! Ta-ta-ta-ta.
On lui fait pas, à ton duc. Ulti prêt, je vais faire ça comme ça. Celui-là est encore toute sa vie, celui-là aussi. Un autre ennemi succombe à la puissance du cône et sa bande. Ça, c'est pour sacripant, enfoiré. Je vais passer mon tour. Je suis prêt à envoyer l'équipement lourd, les mecs. Je vais essayer l'ulti de... Ah, il peut en avoir qu'un. D'accord. Donc l'ulti de boîte à outils. Allons-y. On va voir ce qu'il propose. La super perceuse. Tu t'es aventuré dans les ténèbres, là. Oh là, il perce quelque chose, là. Piqué! Piu, 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 piu. Pour la liberté et ses potes. Voilà, ils ont quasiment pas tapé, c'est nickel. 1,50$, ça paye quelque chose. Encore ce camion plein de papier alu. Recette de glyphes infernaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Est-ce que j'ai encore seulement de quoi créer des choses? 75, c'est pas mal, hein. Et plus 60 de création. Ah, regardez-moi ça, plus 60 de création et je peux en faire, mais des caisses, hein. Je peux passer niveau 16 de suite. Bon, alors, oui, 60 aussi de machin, c'est quand même pas... Voyons voir, j'essaie de voir si je peux m'équiper parce que ça a l'air pas trop mal. C'était 75 et pourtant ils ne sont pas là. C'est ceux du bas alors. Donc c'est pourri. Bon, je les vendrai, c'est pas grave. C'est pourri. Oui, ça fait un petit peu moins de puissance quoi. Non, on reste à 394 de puissance. C'est très bien. Cette vidéo a été plutôt longue, mais c'est pas grave, on finit, on va aller chercher Butter. J'entends des chats. Des chats. Hey, mais c'est quoi ce bordel? C'est qui ça? Oh mon dieu, c'est le justicier. Il fabrique du pizza. Tout juste, le cône. Et un petit gros aussi. Ce chat, où est-il? Attends, c'est du matos de première bourre. Un chat, comme c'est direct pour le boss. Espèce d'abruti, ne me parle pas de lui. Maintenant, il faut qu'on tue ces morveux. Bon bah on va buter du trafiquant de drogue. Alors ça fait un petit moment que je le dis, je voudrais changer le gros pour moustique, il est bien, il les empoisonne. Cerf-volant, il peut soigner et puis lui bah on va il est verrouillé de toute façon donc c'est très bien. Donnons-leur une leçon. Oh là là là, il y a plein de... Je vais le sucer les mecs. Il y a plein de déchets sur le chemin. Est-ce que je devrais... Est-ce que je devrais les... Mais ça va m'empoisonner, non? Essayons. Ruezica. Attention! Da! Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ça, c'est un travail. Les déchets, c'est un travail pour Kyle. Hein. Il faut rester de loin. L'heure de la justice maison a sonné. L'heure de la justice maison a sonné. Tournevis de la mort. Ça va les faire péter. Et on est en train de mettre le feu absolument partout. Non, non, laisse... Fous-leur sur la gueule. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, chers amis, c'est compliqué. Est-ce que... Attention! À savoir que je peux taper deux fois et que si je me mets ici, au moins j'en ai deux. Et même 3, le machin il va exploser. Je les laisse péter, hein. Ça leur fait des dégâts et ça fait pas de dégâts, moi. Regardez.
réaction en chaîne. L'autre, il est mort encore. Nickel, ça. On dirait que tu as besoin d'un coup de main. Non. J'ai envie de dire non. Qu'est-ce qu'elle... on s'en fout de ta vie. L'autre. La call girl. Ah bon, bah, rabatteuse. Alors peut-être qu'il fallait pas mettre le feu, mais... Ces mecs ne sont pas commodes. Alors c'est quoi ton super pouvoir? Fouette l'adversaire et le ralentit. Gagne un blocage. Blesse inflige sans défense. Elle peut vraiment attaquer n'importe qui. Bon bah attaque le type là. Un avertissement. Tu casses, tu exploses. Oui bah je vais te péter la gueule. On voit rien, elle est derrière le bidon. J'espère que t'as appris une chose ou deux sur les connexions Wi-Fi non sécurisées. Même sécurisées, hein, c'est un peu la mode. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais... Non, parce que ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal à la Miss. J'ai toujours trouvé le feu fascinant, mais c'est pas bon pour mes ailes. Donc attire et soigne un adversaire. Voyons voir. Profite. Ça sert strictement à rien. Voilà, je l'ai attiré vers il moi. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Oui, non, ça sert à rien. Je vais passer mon tour aussi avec lui. Non. Je vais l'annuler celui-là. Tu touches pas, tu dégages. Tu le méritais pas de toute façon. Quelqu'un va se faire rafistoler. Qui ce sera? Il est pas sur le même plan, hein. Il est chiant le mec. Bon, est-ce que la drill? Non, je suis sur le... Est-ce qu'à partir de là, la drill? Oui, ça le touche, regardez, mais ça a une... Perceuse laser! Ah non, mais c'est hyper puissant, en fait. Le seul hein. truc avec les perceuses laser, c'est qu'il faut les recharger toutes les 20 minutes. Bon. Alors, par contre, avec ce feu, le petit problème, c'est que ça va brûler. Maintenant. Wow, attention! Super, on a abattu les drogués clodo. Masque flippant, du pissa, et puis $1.51. D'accord, c'était pas nous, ok. Le boss a réussi à faire travailler toutes les familles. Les Italiens, les Russes, les sixièmes. Ils travaillent tous pour lui. Nous, on met juste le pissa dans la drogue et l'alcool. C'est qui le boss? Il le fait même pas pour l'argent, mec. C'est comme s'il voulait propager le crime dans les rues. Waouh, ça fait froid dans le dos. Police. T'as même pas idée. On doit suivre les ordres, vous comprenez? On signe notre arrêt de mort en crachant le morceau. Oh putain. Il vient de se droguer à mort. Merde les chats. Bon bah on va cramer des chats. Oh mec, ça déchire. Allez, par ici. Une pluie de chaos. Ouais, mais ça pue du cul, j'ai envie de dire. Vous êtes arrivé loin, la bande des cônes, mais vous voilà piégé dans mon sanctuaire intérieur. Ouais. Ah. C'est bon, quand tu veux le nouveau. Elle a piraté le mot de passe. Et le mot de passe, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Butters. Ah, oui, bon. Attends, on... C'est jusqu'à 7 aussi, moi je suis débile. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et 7. C'est parti. Voilà. T'es un sac, Butters. T'es un sac. Notre règne s'arrête ici, Kuhn et sa bande. Oh. Ouais, personne ne survit au lanceur de balles du chaos. Il faut qu'on atteigne cette échelle, Truc. Toute la ville va brûler et ensuite le feu de chaos consumera le monde. Maintiens LT pour entrer en mode inspection. Ah, ici. La sableuse. Coordonnées correspondant. Bon, bah, viens, vas-y. Fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Salut. Oh, génial, des feux d'artifice.
Ouais, ouais, génial des feux d'artifice, les enfants. Votre monde. Tu aurais dit que les feux d'artifice étaient si dangereux. Imbécile, ouf, je l'ai tapé en premier. C'est nickel, je l'ai tapé en premier. On garde. Entendu, maître. Le chaos est en marche. Chaos aura du mal à s'imposer cette fois-ci. Là, ils sont trois. Je vais profiter de cette belle ligne avec la tourelle. Et l'autre, il meurt directement. Hein. Oh Trouduc les a anéantis. Bah, pourquoi il reprend sa place? Je comprends pas pourquoi il reprend sa place. Ça. Je suis dubitative. Feu. Dubitatif. Feu. Bon, bah là, il y a encore une tourelle. Je bois à ça. Ça va démanger. Ça va démanger. Qu'est-ce de... Délire. Et on est plus puissant. Je vais si, perforer les méchants. Même si le, wow. le... Ça me dit que je les tue pas complètement. Je fais plus de dégâts que prévu. Est-ce qu'il va quand même pas taper son... Biu biu biu. C'est plié. Non, ça va, y a pas de friend kill, faut pas déconner. Ressens la colère de l'homme cervelin. Eh ben... Bah tu... Tu veux tirer sur qui, l'homme cervelin? Il est mort, lui, le pauvre. Mais non, mais tu veux... Tirer sur qui, enfin? Cogne-les, le nouveau! Ah, mais c'est que t'es... T'as été... Le moustique. Qu'est-ce qu'il a, le moustique? Pourquoi il est contre nous, ce con? Je comprends pas. C'est une sorte de table. Mais non, mais je suis pas cogné le moustique, enfin. Bah... Mais non, mais qui c'est... Pardon, hein, je comprends pas trop le... Plus vite tu agiras, plus tôt ce sera mon tour. Tu veux que je cogne quoi? Je comprends pas, on a quelqu'un derrière. Je suis dubitatif, chers amis, je comprends pas. Y'a personne là, on les a tous butés, c'est un bug du jeu. Oh là là, je crois que le jeu commence à bugger. Attends, c'est quoi l'objectif? Aucune idée. Je vois pas. C'est l'heure de l'épidémie. Super. Bon, au boulot. Oh mais ils sont là derrière, c'est qui ces connards? Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Mais non, ils sont pas là. Je comprends pas. Bon bah écoute, on va avancer. D'accord. Des chiens! Pourquoi faut-il que ce soit des chiens? Je peux pas monter ici. Super, c'est que du bonheur. Je comprends pas. Je comprends pas ce que le jeu a essayé de faire. Y, est-ce que je peux les pourrir? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah! Du coup, ah, tu dois être du genre, je sais tout. Allons-y! Dunkey. Ici, qui c'est que je touche? Ici, personne. Bon, bah, on va faire ça comme ça. Allez, oust! Joli tir groupé, boîte à outils! Oh, je suis en l'air! D'accord. Encore un Mexicain déguisé, super. Super, super. Bon, bah. Allez. Piu, piu! On est bien placé! Piu, piu, il fait. C'est à toi! Beaucoup de dégâts, c'est quand même appréciable. Oh là là, cette attaque, cette sur-attaque, quoi. Allez, le chien, tu dégages. Les moustiques sont les animaux les plus mortels au monde, mais tu mérites la deuxième place. L'ulti-prête est là. Attaque en croix. Oh là là, on les a mais démontés.
Il en reste quoi encore, hein? Oh, salut les enfants. Prêts à vous battre? Je sais pas pourquoi, je le sens. On prendra pas. Soin de ton tour. Ah oh, va chier. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je suis prêt, et mon pot à insectes aussi. Alors, ton ulti à toi, je crois qu'il est relativement pourri, hein. Oui, c'est une AOE, et elle est relativement pourri. Oh, ça lui fait plus de dégâts comme ça. Du sang frais. Aïe. Joli pompage, le moustique. Aïe, caramba. C'est parti. Aïe, caramba. La drill. Ouais, de la gâchette. Aïe. Boîte à outils, mets dans le mille. J'ai une soudaine envie de rejoindre la stratosphère et d'atomiser ces connards. Je suis pas prêt d'attaquer, hein. Je suis tout au fond. Hein. Je vais quand même attaquer. Biu, biu. Aïe. Des poils qui crabent, j'ai moins envie de sang d'un coup. Oh là là, il m'a fait mal lui, hein. Ah, il va attaquer aussi. Yo, pas pleurer, pas pleurer. Ça va être la nuée. Alors je crois que si je fais ça, ça le heal. Aïe. Attention mec, on n'a pas envie que l'OMS vienne mettre le nez dans nos affaires. Moustique. Alors, quant à toi, est-ce que ton ulti le bute? Oui, ton ulti le bute. Eh ben, on va l'utiliser à nouveau. Voilà, perce-lui le fion. Comme tu as l'habitude de mettre un tuyau dans le mien. J'ai envie de dire. Hein. Super, t'as de quoi affûter les trompes dans ta ceinture. Ça y est, il en reste encore un. À toi, cul d'enfer! Mais je vois rien, je crois qu'il est juste là. Et je vois rien. D'accord, bon bah il est mort. Qu'est-ce qui se passe encore? Le moustique. Aucune idée. C'est ça, barre-toi qu'on y voit plus clair. Et il recommence, j'ai l'impression que le jeu a bugué quoi. J'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vraiment l'impression que le jeu a bugué. Ah, il y a des Mexicains par là. Ils sont mal en point, mais... Un flacon de pizza. Et en plus, on n'a même pas fait appel à... À quoi que ce soit, ni Moïse, ni personne. Mets-toi là. Genre, je vais mourir là. Voilà, file-lui une quesadillas à Stan. Merci. Ça va mieux, hein. Bon, alors les filles, il y a une suite à ça. Bah oui, bah, bravo, bah bon, bah c'est fini. Ok, d'accord. Le jeu qui attend, le jeu qui se fait plaisir, le jeu qui a un soupçon de bug en lui. Oh là là, 1h20, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est long cet épisode, mais qu'est-ce qu'il est long. Chers amis, cet épisode a été terriblement long. Terriblement. Donc je vais vous dire au revoir ici. Et je pense que pour le prochain épisode, on va pouvoir sûrement affronter le Captain Chaos. Non, c'est Butters, quoi. C'est Général Chaos. Mince, je sais plus. Tant pis. Voilà, donc, petit pouce bleu si vous avez eu le courage de rester jusque-là. Des bisous. Abonnez-vous, parce que c'est génial. On a de plus en plus d'abonnés. Ça n'arrête pas en ce moment. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc voilà, des bisous, tchou tchou bye bye, à la prochaine.